Jérémy Béhu, j'ai les mains qui tremblent de vous revoir sur ces pontons. Je vous ai vu la dernière fois tellement déçu il y a 4 ans. Nous avons vibré avec vous tout au long de votre course en 2020. Alors, moi je suis prête à remettre ça. Et vous, ça fait quoi? Ouais, c'est toujours sympa de revenir ici. Bon, on est revenu quand même cet été avec la Nouvelle Vendée. On est revenu plusieurs fois ici depuis le dernier Vendée. Donc c'est quand même c'est un endroit où j'ai mes marques et où j'aime bien venir et revenir. Et là, on a un super beau village, donc on va essayer d'en profiter au moins la première semaine avant de se concentrer vers le départ qui va malgré tout arriver vite. Ouais. Là, le bateau, vous le sentez comment? Je vous ai vu faire une petite débrief. Ouais, on a le débrief à faire là. On a fait une belle nave, une belle nuit en mer. C'était très sympa. Puis on est sur les derniers petits réglages, petits ajustements. Donc il y a toujours, à partir du moment où on navigue, il y a toujours des petites choses qu'on voit et des petites choses à vous améliorer. Savez, il y a Sylvain Tesson qui dit que la montagne c'est une question de survie, le bateau c'est une question de bricolage, de réparer en continu. Oui, c'est un peu les deux. En montagne aussi, il faut bien préparer son matériel, comme en mer. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Jusqu'au départ dans 3 semaines maintenant et puis profiter des autres bateaux, des gens qui vont venir. On a un super stand de Charal qui est juste là que je découvre aussi, donc ça va être quelques jours super sympa. Bah, on a hâte de passer notre hiver avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est gentil. Merci. Bonne journée. Bonjour. C'est cool d'être là. Ça vous a un beau bureau, j'ai vu ça. Salut un peu. C'est le canapé et tout. Non, là, par contre on s'est fait finir. Ouais, je sais que tu vas.